Bon, écoutez les gars, ça m'a l'air plutôt bien emballé. Voilà, je l'ai démontré, je vous ferai voir aussi du coup l'intérieur avec le globe à l'intérieur, comment il est. Voilà, c'est du Made in Taiwan là. Je ne sais pas si vous le voyez là. Marqué juste là, Made in Taiwan. Voilà. Mais à froid comme ça, ça m'a l'air pas mal. Les plastiques m'ont l'air assez durs, donc on verra un peu sur la tolérance, sur ce que ça donne. Mais je me dis à 75 euros pièce. Voilà, vous voyez un peu les reflets. Enfin, le globe est de toute façon en meilleur état qu'à l'heure actuelle sur le mien, quoi, sur mon coupé. Donc voilà, les costauds, je vous tiendrai au jus un petit peu sur tout ça. Voilà, comme je vous disais, je vais les monter un peu plus tard. Voilà, les plastiques m'ont l'air juste un petit peu plus durs que ce que fait d'origine Mercedes. C'est juste ça, mais après, voilà, on est vraiment sur la même chose et le même style de montage que ce qui est fait chez eux d'origine, tu vois. Donc voilà. Voilà, j'ai tout, j'ai les protections, les fiches sont visiblement identiques, ça m'a l'air vraiment pas mal, quoi. Hein. Je dirais en rapport qualité-prix, c'est plutôt cohérent, plutôt pas mal. Voilà, puis ils ont respecté un peu les trucs d'origine, à savoir ces fameuses fiches là qu'on a tout le temps chez nous là. Voilà, bah là elles sont là, elles sont respectées. Bon bah écoutez, hein, je vous tiendrai au jus, je vous dirai un peu ce qu'il en revient. Voilà, allez tchuss.